Nous restons, nous retour dans le royaume, une station de dessalement de l'eau de mer et un parc éolien verront bientôt le jour à Dakhla. Je vous l'annonçais dans les titres. D'ailleurs, le chef du gouvernement, Aziz Hanouch, a présidé hier à Rabat une cérémonie de signature de mémorandum d'entente et des conventions de partenariat entre les secteurs publics et privés pour la réalisation de ces projets. La capacité de production d'eau dessalée sera portée à 37 millions de mètres cubes par an. Le coût l'achèvement de l'infrastructure est estimé à environ 2 milliards de dirhams. Le mémorandum d'entente signé concerne aussi l'approvisionnement en eau d'irrigation sur une superficie de 5000 hectares ainsi qu'en eau potable au profit de la ville de Dakhla et des environs. Pour en savoir un peu plus, écoutons Nourdine Serhir, directeur général de DEWEC. Nous avons procédé aujourd'hui à la signature des conventions et des accords relative à la dernière composante du projet innovant qui est le dessalement de l'eau de mer de Dakhla. Un projet qui est vraiment emblématique et qui est développé dans le cadre d'un nouveau modèle lié principalement à la promotion des énergies renouvelables dont le Maroc aujourd'hui joue un rôle très important au niveau régional et international. Comme vous le savez, le Maroc aujourd'hui dans nos régions du sud du Maroc, nous sommes aujourd'hui dans un niveau de production du kilowattheure très compétitif, ce qui nous a permis aujourd'hui de lier cette grande centrale de dessalement d'eau de mer qui est destinée aussi bien à l'irrigation qu'à l'eau potable. 37 millions de mètres cubes qui sera produite à partir de cette centrale, 30 millions pour l'irrigation, 7 millions pour l'eau potable, qui va alimenter, bien entendu, Dakhla, passant par le grand port atlantique de Dakhla. Donc c'est un projet qui aujourd'hui sera réalisé dans un modèle innovant, emblématique aussi, et qui permettra d'avoir un mètre cube avec un coût très compétitif, et ce, grâce, premièrement, aux énergies renouvelables, parce qu'on arrive aujourd'hui à travers l'éolien, à travers un parc éolien qui est lié aujourd'hui qui va être lié à la station de dessalement, de produire avec des coûts très compétitifs qui sont aux alentours de 25 centimes du dirham par kilowattheure directement lié à la station, mais également grâce à la nouvelle technologie qu'on va introduire au niveau de cette technologie, notamment en matière d'échange de pression, ce qui va permettre de récupérer la pression qui est pour le dessalement à partir du process pour l'injecter dans le process une deuxième fois, ce qui permettra également de réduire le coût de l'électricité à environ 35%.